Bonjour, Mamie Lodi, tu en un ami du temps. Oui, ma chérie, laisse-moi le temps de décrocher. La jeunesse, toujours pressée, ça m'épuise. Oh, désolée, Mamie, j'ai juste beaucoup de travail en ce moment. Ce n'est pas grave, jeune intrépide. Que vas-tu m'apprendre On va voir pour construire des fours. C'est parfait, Mamie, je passerai demain vers 15h si ça te va. Bien, ma chérie, j'en prends note. Super, Mamie, à demain, bisous. Ah, oh, mais vous étiez là, petit cachotier, donc je pars chez Mamie. Ensuite, je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc, à tout à l'heure, les amis. Ici, le studio plus pour vous. Bonjour, c'est Hélo. J'aimerais accéder au plateau 16, s'il vous plaît. Très bien, Hélo. Je vous ouvre. Parfait. Merci, Paul. Alors, les amis, on se retrouve sur ce plateau. Donc, c'est parti pour cette émission sur les fours. Donc, il y a cinq patterns qui nous attendent. Donc, c'est parti. premier four que je vais vous proposer est celui-ci et il est tout simple en vrai les amis donc il suffit d'avoir un mur bien évidemment, de poser votre four hop, on met une petite plaque en fer histoire, enfin une plaque une trappe en fer pardon pour faire la gazinière quoi en fait, et ça pour faire la trappe donc pour avoir l'effet de fumée vous voyez tout simplement vous allez mettre un feu de camp donc hop Bien évidemment, il vous faut un bloc en dessous et la propriété du feu de camp est tout simplement de faire remonter la fumée à travers, à travers les blocs. Donc regardez, voilà, ça nous permet d'avoir une fumée, d'avoir un, un, un four à peu près euh, bah classique, quoi. Et en fonctionnement, il manquerait juste qu'il soit allumé euh, si vous mettez des items à cuire dedans et on aurait totalement un four valide. Donc voilà pour ce premier pattern, les amis. Alors pour le pattern numéro 2 les amis tout simplement c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités pour avoir des plaques de pression parce que par exemple vous pouvez avoir besoin d'une cuisinière qui soit beaucoup plus grande parce que bah, par exemple vous faites un restaurant etc et du coup il vous faudrez un peu plus de fourneaux. Donc là en gros on met des fourneaux comme ça, on va mettre un escalier comme ceci, on va mettre des escaliers comme cela pour faire l'hôte en fait. Ce qui va permettre en gros euh, d'attraper euh, tout ce qui sort de la cuisine. Donc pour faire des, euh, des plaques de pression, enfin des plaques de pression, des plaques de cuisson plutôt, pardon. Vous pouvez mettre euh, des, euh, des rails, donc des rails détecteurs et des rails propulsion comme ceci. Vous pouvez mettre, mettre également des plaques en fer, vous voyez. Au lieu d'utiliser une petite trappe, histoire d'avoir des... Bah, des variations différentes, après c'est en fonction des goûts et des couleurs, j'ai envie de vous dire, mais euh, voilà. Et là, en dessous, comme de l'autre côté, bah tout simplement on va y mettre des feux de camp, histoire d'avoir de la fumée qui ressort de nos fourneaux, histoire de faire quelque chose de plus réaliste. Donc c'est vraiment euh, top depuis la 1.14 avec les fourneaux. Ça nous permet avec les feux de camp, ça nous permet vraiment de faire beaucoup de choses. Donc vous voyez là on a une haute un peu plus intéressante et un peu plus imposante pour une cuisine par exemple. Une cuisine euh, de restaurant bien évidemment. Donc voilà pour le deuxième pattern. Alors on se retrouve pour ce troisième design donc tout simplement j'ai prolongé mon mur ici histoire d'avoir euh, de la place pour vous expliquer donc euh, j'ai fait un four sans utiliser de four en gros. Donc tout simplement j'ai euh, posé euh, deux blocs de terre cuite cyan. Euh, je mets un bloc de verre, je mets un item frame avec euh, une carpette pour faire la poignée, je vais mettre une trappe en faire au-dessus, je vais mettre tout simplement ici une enclume et je vais mettre deux pierres euh, taillées, histoire de pouvoir avoir tout simplement euh, le conduit de la hotte qui permet de récupérer, voilà. Euh, donc euh, après, vous pouvez tourner pour mettre la poignée en haut, comme sur les fours, c'est souvent la poignée est vers le haut, pour pouvoir attraper. Bon, elle n'est pas de cette façon, mais c'est un peu pour vous montrer comment faire un four euh, différemment sans utiliser les fours de Minecraft. Donc voilà pour ce troisième design. amis on se retrouve pour ce quatrième design qui est vraiment pour un four euh, bah, de cuisine professionnelle va-t-on dire donc je vous propose de mettre quatre fours comme ceci et tout simplement de mettre des trappes en fer ici sur les côtés mais pour que ces trappes en fer soient euh, bah, fermées quoi tout simplement il va falloir utiliser des leviers donc ici et ici également voilà donc comme ceci et pour pouvoir avoir la fumée bien évidemment il va falloir que j'utilise euh, tout simplement euh, les feux de camp également et on va faire une hotte un peu différente de celle qu'on a pu voir jusque là puisque bah, c'est une cuisine un peu plus professionnelle donc on va utiliser des, des plaques de pression en, en fer pardon on va y arriver donc euh, trois carpettes comme ceci et là vous allez tout simplement euh, mettre votre conduit de hotte qui va aller jusque euh, bah, le bout quoi, euh, du, de votre plafond en fonction de comment vous l'avez placer voilà comment avoir une cuisine un peu professionnelle les amis Alors, les amis, on se retrouve pour faire un four euh, de pizzeria, je pense. Hein, grosso modo, c'est vraiment l'idée que j'ai voulu faire. Euh, parce que je me dis que ça peut être intéressant si vous voulez faire une ville un peu moderne avec différents euh, restaurants, avec différents, euh, par exemple, euh, bah, commerces, quoi, tout simplement. Faire vraiment une grosse ville. Euh, c'est quelque chose qui m'a tenté il y a plusieurs années et que j'ai jamais été jusqu'au bout parce que j'ai eu des plantages de map mais euh, pourquoi pas un jour s'y pencher donc voilà vous allez mettre six blocs comme ça mais ici tout simplement vous allez mettre un, un feu de camp quoi vous allez mettre votre four ici vous allez mettre euh, des escaliers sur les côtés comme ceci et vous allez mettre tout simplement une dalle ici D'accord Là, on va mettre des boutons juste pour le décor, histoire d'avoir un truc un peu moins plat. Et ici, on va avoir l'hôte pour pouvoir permettre de récupérer euh, la chaleur de la cuisson. Voilà, donc voilà un peu pour un four euh, de pizzeria. Alors voilà, je vous ai présenté euh, les cinq types de fours que je pouvais vous présenter pour cette vidéo. Donc, j'ai essayé de faire des trucs pour des cuisines un peu plus euh, équipées pour des restaurants. Voilà, j'ai essayé de faire un four à pizza, etc. J'ai vraiment essayé de faire euh, des trucs variés, histoire de vous, de vous apporter beaucoup de, de, de choses quoi parce que le but c'est de, de vous apporter beaucoup de bagages avec cette émission que je prépare avec ma mélodie histoire que vous ayez voilà du contenu et que vous ayez des idées pour vous faire euh, bah par exemple voilà comme je vous ai dit des restaurants etc donc je vous laisse là pour cette émission je vous remercie de l'avoir regardé on se retrouve la semaine prochaine pour la suivante et à demain pour une prochaine vidéo les amis portez vous bien bye bye à tous émission télé présentée par Elo. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne